Deuxième question. Elle tombe pas là la bouche. Putain, t'as le truc après là, les petits boules. Putain, t'es... Putain. J'en ai tout fait brûler là. Non, je suis une femme, je sais pas. Ah, sa mère, mais t'as pas d'autres idées à faire toi là. Tes jeux, il fait des jeux à la con. Hein. Il t'a dit que j'étais difficile. Oh. Oui, alors unanimement, oui, tout le monde m'a dit. Ouais. Alors, est-ce que vous connaissez l'émission Hot Ones? Non. Parfait. Vous êtes dans les meilleures dispositions pour pouvoir relever ce défi. C'est un jeu où l'on pose des questions avec des sauces piquantes. 10 questions, 10 sauces. On part de la moins épicée, on va jusqu'à la plus épicée. Alors, quel est l'intérêt de répondre avec du piment dans la bouche, c'est que le piment agit comme une sorte de sérum de vérité. Le corps sécrète de l'endorphine et il paraît qu'on va planer. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'échelle de Scoville? Non. Elle mesure en unité Scoville la concentration en capsaïcine et donc la force du piment. Mais il est complètement fou ce mec. Donc on va partir de la gentille fraise qui est à 3000, le tabasco c'est 8000, donc on commence tranquillou. D'accord, mais il est où le 8000 dans l'échelle là? Là. C'est le deuxième. Vraiment? Vraiment. Et celle-là elle est à 8000. Mais là on met très peu une goutte. Hein. Et on va aller, et je vous le souhaite, jusqu'à la mamba noire, qui fait référence au serpent le plus dangereux du continent africain, et qui est à 16 millions. Combien? Pour vous donner un ordre de grandeur, une bombe lacrymogène, c'est 4 millions. Je peux pas, moi, tu sais bien. Alors, j'aime les aventures, mais là... Je peux pas, hein. Alors, ce qui va nous aider, c'est que on a du miel, de la chantilly... J'aime pas le miel. J'aime pas la chantilly. Mais je t'assure que tu vas l'aimer. Et en dernier recours, on a l'extincteur. Dernière règle, évidemment, à tout moment, on peut abandonner. Ah, ouais. Voilà, donc ça sert à rien. Voilà. Si c'est trop insupportable, on peut arrêter là. D'accord. Ok. On va commencer par la première question. C'est un repas d'amis. Voilà. Pour dire, on va clore notre en amitié ce soir. Exactement. C'est de la merde. Exactement. Enculé. On refait. Enculé. Mais c'est son surnom. Pourquoi? Tu vas avec nous? Bah oui, je vais pas vous laisser monter à la montagne tout seul. Je viens juste de lécher, mais on mange tout. 3000. On mange tout? Oui. C'est mieux. Il va, mais j'ai peur. Alors, quel est votre plus beau souvenir? La naissance de mes enfants. Pas gêné? C'est 40 ans. Pas valide, hein? Mon mariage. Parce que mes enfants, j'ai quand même souffert. J'ai du mal à la balayer. Deuxième question. Il va? Alors. Si tu pouvais passer une heure quelque part dans le monde, où irais-tu? L'Everest. J'avais la même réponse que toi. Le Mont Blanc. Le Mont Blanc? Ouais. Mais attends, tu vas y être là. On est à combien là? 4000, c'est ça? On est à 8000 là. 8000? Ah oui, c'est 8000. Là, c'est l'Everest. Oh. Oh. Oui, bah, c'est fort là. Vas-y, c'est fort là. Troisième. Ça va? Allez. Ah, on le mange, je crois qu'il y a une question. Non, qu'est-ce qui t'effraie le plus concernant le futur? Quand il n'y aura plus de sable dans le sablier. Ouais, c'est ça. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Là, on va applaudir. Bravo,
Ah non, allez. Mais prends du gel ou de la chantilly. On n'a pas le même palais, on n'a jamais le même palais. Là, on fait un bon. C'est quoi là? On passe de 10 à 20. Oh putain, il est à 20 000. Ça, c'est que tu déjeunes le matin? Mabriki, pour moi? Est-ce que t'as goûté? J'ai plus de quoi aller. Regardez, c'est... Ça va être carton rouge, stupeur totale. Il fait juste un petit sourire, tu sais, d'un air de dire, je t'emmerde. Bonne chance. Allez là. Vous avez un pouvoir. Mais quel serait-il? D'arrêter le temps. Toi, tu voudrais arrêter le temps? Ouais. En rapport avec la mort, alors, du coup. Ouais. Réussir à... claquement de doigts, la paix dans le monde. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Amour et paix dans le monde. Voilà, je pense. Que les gens soient heureux. On est déjà à 5e. Hein. Pas mal. Hein. C'est pas mal, hein. Franchement, je suis fier de moi. Là, on peut souhaiter du courage. Là, je pense qu'on monte là. Je réfléchis. La dernière fois que vous avez pleuré, c'était à quel sujet? Bah alors, on reprend là. Il y a une heure. Putain, t'as le truc après là, les petits boules. C'est quoi? À la fin de son marathon. Ah ouais. D'avoir. On a un problème, Houston. Oh, ça sent le brûlé, là. De l'eau, là. Ça arrive. Oh, putain, j'ai chaud. C'est une sauce barbecue légèrement épicée. Ah, le barbecue, ouais. Je le tape long, ça va être pour lui aussi, je prends le violon. Alors, le nom des personnes qui vous inspirent, et pourquoi? Putain, tu... J'en ai tout perdu, là. Mon mari. Bah, tu m'inspires parce que je veux faire le Mont Blanc maintenant. C'est grâce à toi, je veux faire un marathon, c'est grâce à toi. C'est un peu, ça retombe sur toi aussi. Hein. Y a deux prénoms qui me viennent, dont un, toi, et Sylvain Robillard. Qui m'inspire. J'ai une bouche. Elle tombe pas là, la bouche? Oh, puis là, j'ai la couleur, j'aime pas trop. Hein. Ça sent un peu le bouc. Elle est à 250 000. Mais putain, tu veux que je meure mes 40 ans là? Et ça va faire pas. Non. Mais non, t'inquiète, on va venir à l'hôpital. Putain! Elle est pas mal ça, hein. Ouais, on commence à monter, voilà. Ouais. Je sais cette merde. Le goût, il est fort. Ouais. Wow. Oh là, c'est fort. Oh là là. Oh là 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 là. Elle m'a tiré là-dedans. Oh non, je peux pas. Question à 800 $. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi et que tu aimes le moins?
J'aime bien ma bienveillance. Bienveillance. Et ce que j'aime le moins, mes hanches. Voilà, je suis honnête. Ce que j'aime le plus. C'est aussi l'habitude, c'est pas ma générosité. C'est lui. Ouais, j'irais ça. Est-ce que j'aime le moins? C'est dur. Bah, mon caractère, ouais. Encore, hein. Bah, des fois, je suis un peu grognon, je gueule tout le temps. Ou... Ouais, non, c'est rien, ça. Oui, voilà. C'est rien du tout, ça. Ça a tout lâché, là. Je ris, c'est rien. Là, on était à 250 000, on va à 600 000. S'il y a un volontaire pour prendre la place à Billy, il vient. Là, parce que j'ai... Attends, bravo. Je te donne le chapeau, hein. Putain, les salauds. Hey, attends. Oh, pipip. Oh, culé. Ça me tue beaucoup, ce qu'il me dit. Quand te sens-tu le plus en vie? Maintenant. C'est pas faux. Bagne. Quand c'est dangereux. C'est quoi, c'est un début là? Pour moi, elle est en dessous. Ça arrive après ou... Il y a peut-être un effet qui se coule. Qu'est-ce que t'en penses? Ça pique, mais voilà quoi. Ah ben, c'est pas piquant du tout. Oui. Hein. Même si ça chatouille. Hein. Oui. Il y a une apocalypse zombie. Tu te donnes combien d'espérances de vie? 1 heure. 2 heures, 1 semaine, 4 minutes. 1 mois. Là, Olivier, ton chapeau est bien rouge, hein, fais gaffe. Donc, t'as dit, la question, Putain. Moi, 10 jours. 10 jours. Apocalypse zombie, tu te donnes combien d'espérances de vie? Là, à partir de maintenant, là. C'est pas la peine que je te file des trucs à toi. Là, aujourd'hui, là, j'ai 46 ans, je vais jusqu'à 100 ans, moi. 103 ans. Et une apocalypse zombie, tu penses avoir la même espérance de vie? Ouais, je change rien, je me planque dans un trou et puis... Je fais ami avec les zombies. La zombie, on va essayer la chantilly. J'ai une lampe, ça doit être une braise. Elle chauffe. Il y a quelqu'un qui souffle dessus là. Et ça monte, pourquoi et ça monte. Tu parles des zombies, il n'y a pas de zombies en ce moment. Vous ne vous reposez jamais, vous. J'ai un barbecue dans la bouche. Toi, tu pourrais me remplacer au dernier. Le problème, c'est que là, j'ai en train d'avoir un retour de flamme là. You motherfucker! Hip hip hip! Enculé! Putain! Oh, fais-moi le malin maintenant! On fait moi le malin! Allez, la dernière. Allez, santé. Je joue le jeu, je mets pas de miel. Allez, on vient de m'acheter. Un matin, non, ta question. Un matin, tu te réveilles en femme. Pendant toute une journée, t'es une femme. C'est vrai. Tu fais quoi? Non, je suis une femme, je sais pas. Ah oui. Ah ben, on fait l'amour. Je me regarde dans la glace. Plus tard. Merde. Ici le capitaine. Préparez-vous à l'impact. Il a pété un boulot lui, oh, mais tu vois. Je comprends rien. Mais c'est quoi ton jeu de merde? J'ai foumé. Il a pété un boulot, lui. Hein. Ah.
Des fous bien. Voilà. Ah, sa mère, mais t'as pas d'autres idées à faire, toi, là. Tes jeux, il fait des jeux à la con, hein. Mais après, ma soirée, je vais y aller la faire quand même. What a jerk.